Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Fidèles aux hommes, ils ont mis droit, la Imada Chinoise. Mesdames et messieurs, deuxième partie Critique Info. Aujourd'hui, pourquoi je fais deux parties pour la même journée, parce que j'estime quand même que les choses sont importantes à éclairer l'opinion. Le propos de M. Kabound soulage les opposants, ça donne de la matière aux opposants de dire ce qu'ils peuvent dire. Mais quand je réfléchis un peu, je me rends compte que depuis le début, le régime de Tshisekedi n'a pas encore fait mal. Quand je dis n'a pas encore fait mal aux gens, c'est dire que il y a une certaine léthargie, une certaine, on va dire, un certain laisser-aller. Tout le monde dit ce qu'il veut dire. Même ceux qui ont participé à quelque chose, ils peuvent dire ce qu'ils veulent dire. Vous voyez, l'arrogance est nourrie par l'impunité. L'arrogance se nourrit de l'impunité. Lorsqu'il y a impunité, l'arrogance prend tout son volume. Mais lorsque les gens sont sanctionnés pour des faits précis, sans entrer dans les règlements de compte, puisque des faits précis, il y en a. Alors là, vous voyez que les gens reculent, ils disent deux fois avant, ils réfléchissent deux fois avant de le dire. Comment vous imaginez que le FCC revienne avec autant d'arrogance aujourd'hui? C'est puisque l'un d'entre eux, personne n'a été sanctionné convenablement. Je ne parle pas des règlements de compte encore, je parle plutôt des faits. Donc vous imaginez que si on avait sanctionné un détourneur du FCC, si on avait sanctionné sans faille, un corrupteur, un corrompu dans le régime FCC, il n'y aurait pas beaucoup de bruit comme on a aujourd'hui. On a beaucoup de bruit puisque dans leur camp, personne n'est tombé sous le coup de la loi. Personne. Voilà pourquoi tout le monde peut parler. Même ceux qui ont tué des gens peuvent parler. Même ceux qui ont volé la République peuvent parler. Puisqu'après, on se dit, bon, de toute façon, on n'a pas encore vu. Mais si on avait établi l'ordre de la discipline au début, beaucoup de choses allaient changer. Monsieur Kabound dit par exemple que quand eux seront au pouvoir, je ne sais pas quand il dit eux, c'est lui ou c'est leur parti, ça j'en sais rien, les regroupements, ça j'en sais rien. Quand ils seront au pouvoir, ils vont installer l'ordre et la discipline. Mais c'est ce que je dis depuis des années et des années. Sans l'ordre et la discipline, rien ne va marcher. Sans l'ordre et la discipline, rien ne va marcher. Mais en même temps, je conseille à l'UDPS de garder la hauteur de débat. Si le secrétaire général de l'UDPS se permet de faire un communiqué ou de faire une communication, rassurez-vous que dans l'opinion, ils perdront. Puisque le rôle de M. Kabound, c'est le rôle de parler. Dans sa posture d'opposant, il est là pour vendre les rêves, il est là pour vendre les illusions, il est là en contestataire. Un contestateur, n'a pas besoin de beaucoup de choses. Il ne réfléchit pas à un contestateur. Il n'a qu'à dire non, c'est tout. Parce que quand il dit non, ça renforce la position de ceux qui ont déjà dit non avant. Donc, ce n'est pas son problème à lui. Il vend les rêves. Il peut dire, je veux construire la route sur le pont. Ça n'a pas beaucoup d'objectivité quand on est contestateur. Mais le pouvoir n'a pas le droit de rentrer dans le débat des caniveaux. Quand on est au pouvoir, on s'arrange à travailler, on s'arrange à montrer par l'exemple ce que nous voulons faire. Il faut plutôt sous-traiter les gens pour le faire. Laissez les membres de l'UDPS en parler, les autres participants en parler. Mais pas vous. Sinon, si vous le faites, vous faites une faute. Ça va être une erreur. Et bon, après, s'ils nous écoutent, c'est bon. S'ils nous écoutent pas, il n'y a pas de problème. Mais au moins, on aura dit. Laissez les cadres de l'UDPS en parler, mais pas la tête de l'UDPS. La tête de l'UDPS doit se calmer et réfléchir sur comment on va contrecarrer les choses. Il y a des stratégies que l'on peut mettre en place, que vous pouvez mettre en place, pour mettre à nu les mensonges, pour mettre à nu Babilo Gobelé. Par exemple, la question du RAM. Monsieur Kabound dit, sur la question du RAM, qu'il a dit plusieurs fois à Tshisekedi que ce n'était pas bien. Mais ce n'est pas vrai. Excusez-moi de le dire, ce n'est pas vrai. Il y a une vidéo qui circule où M. Kabound défend le RAM. La vidéo est claire, il défend le RAM. Il dit si bien que le RAM, ce n'est pas nous qui l'avons institué, le RAM, c'est une histoire de depuis 2011. C'est lui qui donne la date, ce n'est pas l'UDPS, c'est lui qui donne la date. Et puis il dit, ce n'est pas la création de l'UDPS.
Je ne comprends pas comment ça se passe. Il dit, comment voulez-vous que, la partie Est soit sécurisée dès lors que nous avons une politique claire? Nous n'avons pas une politique claire en matière de défense et de sécurité. Le régime Tshisekedi n'a rien investi dans l'armée. Point. Mais qu'on se le dise, il était premier vice-président de l'Assemblée nationale. Quel est le travail parlementaire que monsieur a pu faire? Ou quel est le travail parlementaire que monsieur a pu coordonner? Il était non seulement premier vice-président de l'Assemblée nationale, mais il était président du parti. Donc, le responsable des députés de l'UDPS. Pourquoi le député de l'UDPS, en ce temps-là, selon lui bien sûr, n'avait pas travaillé sous sa direction pour avoir un projet de défense? Selon lui, bien sûr, projet de défense de la vision de la défense. Ce que je ne comprends pas, c'est que quand on a été au sommet d'une institution comme celle de l'Assemblée nationale, mais que l'on passe son temps à s'attaquer à la présidente de l'Assemblée nationale, au lieu de s'asseoir pour comprendre quel profit l'UDPS doit tirer dans cette affaire, qu'est-ce que nous pouvons faire pour corriger beaucoup de choses? On ne le fait pas. Tous les postes clés ont été cédés. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Tshilumbay. Tous les postes clés. Il fallait attendre longtemps pour que prof Mbata devienne président de la commission PAJ. Il fallait attendre. Si ça ne dépendait que de lui, ça n'allait pas marcher. Il n'allait pas marcher, il n'allait pas être là. Alors, qui donne la vision claire de la défense? Mais on n'a jamais eu une vision aussi claire comme ça. Quand il dit que l'armée quand on dit qu'on n'a rien investi dans l'armée, mais ce n'est pas vrai. On a investi et dans l'armée en termes du casernement. On l'a fait. On a construit des écoles dans les camps militaires. Je n'essaie pas, moi, de vous rappeler ces choses. Deux, point deux, on a réhabilité certains camps ici. Tout le monde a vu. Dans le volet formation, mais plus de 3 000, 4 000 militaires ont été formés, envoyés dans plusieurs pays pour le faire. Sur le plan de traitement, mais il y a 30% de plus dans les salaires des militaires. Je ne comprends plus rien. Comment on investit dans une armée si on ne fait pas ça exactement? Bien évidemment, ce n'est pas tout, mais c'est un début, un bon début d'ailleurs. Je ne comprends pas. Ce qui est fait maintenant, il faut quand même reconnaître que l'armée n'a jamais été autant soutenue qu'en maintenant. Donc ça, il faut le dire. Il dit, l'État, ce n'est pas la 10e rue. Bon. Mais qui avait transformé l'État dans la 10e rue? Mais c'était vous, toutes les grandes déclarations du pays. Bon, nous allons voir. La 10e rue. Souyo, en tant que président, il y a une peste. Alors, je ne comprends rien. Moi, personnellement, je me dis, bon, on va continuer. Félix Tshisekedi ne maîtrise pas la notion de l'État, ça j'avais parlé avant. La question de l'insécurité dans la partie Est du pays traduit de manière claire l'incapacité de M. Tshisekedi à imposer la paix, la sécurité, l'ordre et la discipline dans le pays. Chaque week-end, Félix Tshisekedi, c'est la coule douce, comme si tout allait bien au pays. Tout ce que je peux faire, c'est de mobiliser le peuple pour chasser Tshisekedi en 2023, chasser ces régimes des incompétents. Régime des jouisseurs, de multiples voyages du chef de l'État qui n'apporte rien face à ces tableaux sombres. M. Tshisekedi doit être considéré comme un danger public pour la République. En réalité, si on est dans un État sérieux, on est vraiment en face des offenses, en fait. On peut considérer ça comme des attaques personnelles, c'est vrai, mais rien n'est dit de façon concrète. Le voyage du président de la République, qu'est-ce que le voyage du président de la République vient faire dans un discours d'un politicien? Est-ce que quand le chef de l'État voyage, il doit ramener l'armée militaire de l'autre côté pour venir se battre ici et gagner la guerre? Je ne comprends pas. Quel est le lien? Vous allez chercher les rapports, vous n'allez pas le trouver. C'est des coqs à l'âne, voyez-vous? C'est vraiment des coqs à l'âne. Tantôt, on est en train de parler des week-ends où Tshisekedi, c'est la coule douce. Tantôt, on est en train de parler des voyages. Bref, on parle de tout sauf de quelque chose de fondamental. Monsieur Kaboun, lui aussi, a voyagé. Il était vice-président, premier vice-président de l'Assemblée nationale, tous les nombreux voyages que lui a fait en tant que premier président, premier vice-président de l'Assemblée nationale, ça a apporté quoi à l'Assemblée nationale? Il faut enlever dans la tête que tous les voyages sont des voyages à apport concret ou immédiat. Certains voyages produisent des résultats 2 ans après, 3 ans après. Ça, il faut que, bon, pour comprendre ça, il faut avoir quand même un certain niveau de, voilà, pour comprendre ces questions les questions des voyages et tout ça. On ne voyage pas par gaieté. On dit, bon, je vais aller voir mon ami Macron, on va s'amuser. Non,
On voyage parce qu'on veut représenter le pays. On veut faire ça pour que le pays rayonne davantage. On veut montrer à la face du monde que nous sommes prêts à collaborer avec tous les autres pays. Ce sont, les voyages, ce sont des investissements que l'on fait. Pour montrer aux autres que nous sommes prêts à coopérer avec vous, voici, nous sommes prêts à mettre en place des mécanismes pour être bien avec vous. Ça, c'est fait. Alors, quand on compare ces choses-là, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Donc, la jouissance dont on parle, il faut même parler de l'enrichissement. Le premier bénéficiaire de l'enrichissement. Quel est le cadre de l'UDPS qui a le niveau de M. Kaboul aujourd'hui? Quel est ce cadre de l'UDPS qui a le niveau de M. Kaboul? Qui? Quel est le train de vie de M. Kaboul? Mais il faut voir comment M. vit. Mais M. vit dans une opulence, mais vous n'avez aucune idée, quoi. Mais nous connaissons tous, 5 ans avant, comment M. Kaboul vivait. Comment il vivait? Et une fois au pouvoir, vous n'avez même pas fait 4 ans, vous n'avez même pas fait 5 ans. Mais le niveau de vie que vous avez, mais égal, je ne sais pas moi, à des gens qui ont fait 10 ans, 15 ans dans les services publics. Il y en a même qui n'ont même pas atteint ce niveau-là. Quel est cet enseignant qui a fait 20 ans qui peut avoir le niveau de M. Kaboul? Le train de vie. Même les professeurs. Citez-moi un seul prof que vous connaissez au Congo qui a le niveau, le train de vie qu'il a. Ou un seul militaire, parce qu'aujourd'hui, il parle des militaires, il parle de tous ces gens, il les aime. Mais qui a le niveau de M. Kaboul? En termes de finances, en termes de... Personne n'a ce niveau-là. Monsieur a un niveau important. Je ne le dis pas pour dénigrer qui que ce soit. Mais nous savons tous d'où nous venons, comment nous sommes aujourd'hui. Et puis, on sait. Nous savons tous que les moyens de l'État ne peuvent pas. Je veux dire, le salaire de M. Kaboul ne pouvait pas. On accuse M. Kaboul d'être impliqué dans les affaires des mines, dans les affaires des Chinois, dans les affaires de... On l'accuse dans ça. Moi, je n'affirme pas, puisque je n'ai pas de preuves. Mais on l'accuse dans ça. On accuse M. Kaboul d'être arrogant. On dit que le monsieur se croyait comme vice-président. Il pouvait venir à l'OUA demander d'entrer sans protocole. Il s'est prenait pour voilà, le pote du président. Il pouvait faire ce qu'il veut. Parce qu'il disait que c'est leur pouvoir à eux. Il se disait qu'au lieu de Tshisekedi, ça devait être lui. Pourquoi seulement Tshisekedi? Ou alors, il pouvait peut-être imaginer que ça serait lui le dauphin. Ainsi de suite. Ou alors, à la limite, il voulait que Tshisekedi lui dise tout. C'est-à-dire quand le président veut nommer, qu'il appelle d'abord. Comment tu penses? Est-ce que je peux mettre telle personne ou telle autre personne? Et il ne supportait pas cette contradiction. Et peut-être ça, ce qui a dérangé. Mais M. Kaboul, aujourd'hui, il parle de M. François Béa. Mais M. Kaboul, c'est Gangela qui, François Béa, dernièrement, souvenez-vous, il a dit que François Béa traitait avec les Rwandais. Vous vous rappelez? Des gens de l'UDPS sont sortis pour insulter M. François Béa. Kaboul dans la tête. Mais qui Kaboul n'a pas dérangé? Qui Kaboul n'a pas attaqué? Il a attaqué tout le monde à la limite. Voyez-vous? Et donc, il y a quand même des choses qu'il fallait finalement... Il dit, en lieu et place de faire des marches de soutien au FRDC, en lieu et place des marchés contre l'ambassade du Rwanda, je crois que le peuple aurait bien décidé de marcher contre Tshisekedi. C'est ça la maladie de l'homme politique, la personnalisation. On quitte le débat intellectuel, on quitte le débat de hauteur, on rentre dans le débat des hommes. C'est ça la maladie, malheureusement. La maladie, c'est ça. Et c'est bizarre quand même. L'UDPS est incapable d'assurer la circulation routière et la propreté dans la ville. C'est une preuve de l'échec de Tshisekedi. Ah bon? Très bien. Monsieur Kaboul est étudiant en droit. Je crois qu'il a bien appris le cours du droit constitutionnel et institutions de l'État d'ailleurs. Il a appris aussi les sciences politiques. Je crois qu'il y a une fraction où on enseigne ça. Bon, l'organisation des États peut-être plus tard. Non, quand il sera en deuxième cycle. Au deuxième cycle, pardon. Mais il y a tellement de... L'éducation à la citoyenneté qui est un cours aussi important. Monsieur Kaboul devrait comprendre que l'État est un ensemble des responsabilités et que chaque entité a sa responsabilité et que la question de route, ce n'est pas Tshisekedi qui le règle. La question de route est une question qui doit être comprise au niveau du gouvernement. Et ce gouvernement est composé des ministres que eux ont envoyés. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Ça veut dire que quand Tshisekedi vous dit, amenez les, vous en tant que parti, donnez-nous des bons ministres. Vous cherchez des hommes et des femmes faibles que vous envoyez au gouvernement,
puisque ces gens-là doivent vous rétrocéder des choses, doivent vous rester, je sais pas moi, tout ça, Batona Bazabongo. Et il y en a même qu'on dit que vous avez même donné à d'autres personnes qui ne sont pas des combattants. Bah, poste, bah, combattant, il y a une personne qui a battu Mosusu pour des raisons X ou Y. Et aujourd'hui, vous vous réclamez que Bato Boutinda qui est beaucoup sans monter. Donc, entre Bino Natchiseki, il y a trahir Mbaninga. C'est quand même triste et méchant quand on dit des choses comme ça. C'est fini, il n'y a plus rien à espérer avec le président Tshisekedi, ils ont échoué, le pouvoir en place est incapable. Je demande au peuple ça, j'en ai parlé. En 2023, nous allons accompagner personne. Nous n'allons accompagner personne. Nous allons nous battre pour la conquête du pouvoir à tous les niveaux. Où est la chimère? Il y a Bandoto, quelqu'un a rêvé, un parti politique qui naît à la veille des élections présidentielles et estimé compétir à tous les niveaux et gagner. Où vous aurez tout l'argent pour faire toutes ces choses. Peut-être, avec un peu d'amalgame. Bon, peut-être, bah, arrangement personnel, on peut le trouver. Mais, ça prouve à suffisance que M. Kabound ne maîtrise pas des questions politiques comme il veut nous faire croire. Un jeune parti, vous êtes obligé de faire des alliances avec les gens et de les accompagner. Donc, si vous ne connaissez pas la notion, cette notion d'accompagner les gens et de se faire accompagner, si vous ne comprenez pas la notion des alliances en politique, c'est que vous n'avez pas encore compris la politique. Vous ne pouvez pas faire la politique seule et gagner tout à tous les niveaux. Ce n'est pas possible. Et d'ailleurs, c'est hasardeux de croire qu'on va aller seul et gagner. C'est pratiquement pas possible. Encore que dans ce marigot, il y a beaucoup de gens qui vous attendent. Avec qui vous allez faire alliance? Avec Kabila qui vous avez traité de tous les noms? Bon, comme les ridicules ne tuent pas, peut-être. Avec Katumbi, que vous avez indisposé dans l'Union Sacrée? Avec Bemba, que vous avez pris pour égal? Comment ça va se passer avec Batulukwebo au Kanakate? De toute façon, il n'est même pas là-bas. Comment ça va se passer? Moi, je comprends ici que, comme quelqu'un l'a dit, pour M. Kabound, c'était lui la deuxième personnalité du pays. Tshisekedi président, ensuite celui. Les autres institutions, ils s'en foutaient. Parce que comment à niveau, il y a aucun garde républicaine, aucun ici garde républicaine, il y a président. Premier vice-président de l'Assemblée nationale. Comment on commune un niveau, Anna? Et quand on explique ça aux gens, les gens ne comprennent pas. On vous l'avait dit. On vous l'avait dit. Je l'ai dit. J'ai fait beaucoup de missions sur la question. J'ai dit au président, monsieur le président, il y a beaucoup de gens, tant que vous êtes dans l'aéroport, en vie à la place, Nayo. Ça, je l'avais dit, je crois, une émission. Il y a des gens qui étaient fâchés. Il y a des gens qui ont envie de ta position, qui veulent être comme toi, et qui se disent que tu n'as pas mérité ces postes, et qui ne pas mérité en haut. Il y en a beaucoup comme ça qui disent ça. Il y a des théories qui sortent comme ça. Bangonde ba salayo, bangonde ba fabrikayo, bangonde ba ebio. C'est des gens qui disent ça. Parce qu'en réalité, ils veulent votre position. Ils veulent être comme vous. Ils se disent, ce qui est commis, vous vous êtes au commun, vous pourquoi. C'est des hommes qui ne vous regardent pas comme un succès pour Nabango. Mais vous savez, dans la vie, c'est quand même une leçon à comprendre. Dans une équipe de football, on ne peut pas marquer un seul but deux personnes en même temps. Ce n'est pas possible. Le but est marqué par une personne, mais célébré par tout le monde. Alors, si dans votre équipe, vous avez quelqu'un qui veut à tout prix marquer de but et qu'il le célèbre quand c'est lui qui le marque, vous avez là un problème sérieux. Et vous avez en face de vous quelqu'un qui, lui, ne peut pas apprécier la montée des autres. Ça doit être lui. Si c'est lui, c'est bon. Si c'est les autres, c'est discutable. C'est très compliqué. Très compliqué sur la question. J'ai été heureux pendant ces 3 années au pouvoir. Ah, c'est que Balerango, elle, j'ai changé. Malheureux. Donc, bien pour malheureux. Ah! Malheureux, changé, vraiment. Non, franchement. On aura tout vu dans ce pays. Malheureux. Ah! Il faut un nouveau leadership à tout prix pour la RDC. Je pardonne à tous ceux qui m'ont fait du mal. En même temps, je demande pardon à tous ceux qui ont été offensés par mes actes et décisions politiques. Il faut rapidement tourner la page Tshisekedi, car j'ai refusé le plan de Tshisekedi de glisser pour 2 ans. Ah, donc... Bonjour, madame Dolmaï, qui est bon, ça révise le président Yesu. Et ça, madame. Qui avait dit qu'on va rester au pouvoir Tinati? Et ça, madame. Je suis convaincu que la page Tshisekedi est tournée. Il est temps de sauver le navire. La RDC qui a un commandant de bord qui conduit sans boussole. À la veille initiée contre le ministre Pédantique, nous sommes allés voir le chef de l'État pour discuter de la question de Rame.
Je dis clairement, M. Tshisekedi, qu'il fallait à l'instant arrêter avec cette histoire de rames, car je ne savais même pas la définition de rames. Et 9 fois sur 10, j'ai dit non à Félix Tshisekedi sur cette question. Ah, donc une fois, vous avez dit oui. Mais c'est lui qui avait été considéré. Vous savez, je ne suis pas comptable du bilan du régime Tshisekedi parce que je lui disais toujours ce qu'il ne voulait pas entendre, Mais qu'est-ce que vous lui disiez? Les ministres que vous avez, envoyés, les gens dans les régies financières que vous avez envoyés, les membres du cabinet du président que vous avez envoyés, les membres dans l'administration publique, au Bino Tindaki, tous les gens qui ont dit non, ils ont 9 fois, Ah, beaucoup. Je me considère comme l'héritier incontestable de l'idéologie de Étienne Tshisekedi. Le Parlement est désacralisé. Examen des sujets sans pertinence. Ah, l'Assemblée nationale est devenue le lieu de règlement de comptes. Oh. Franchement, ça fait rire. Ça fait vraiment rire, en tout cas. Ça fait rire, pourquoi? Parce que l'Assemblée nationale connaîtra dans son histoire un homme qui est passé par là 2 fois et chassé 2 fois. Il est venu, on l'a fait partir. La première fois, c'était pour insolence, je pense. La deuxième fois, c'était pour immaturité politique. Et on le fait partir. C'est quand même bizarre. Hein? Le régime Tshisekedi a refusé d'enregistrer mon parti. Je suis déçu de vous annoncer que le régime Tshisekedi a décidé de mettre en péril la périodicité. C'est quoi ? La sincérité et la transparence des élections en préparant un glissement ainsi qu'en orchestrant une fraude massive aux élections prochaines. Le plan consiste à la création de plusieurs partis politiques mallettes dans l'entourage du président Tshisekedi par les membres de sa famille et amis avec espoir de se voir distribuer 300 sièges de la chambre à la chambre basse. Où est le problème? Où est le problème? Les présidents peuvent même, moi j'ai dit ça ici plus d'une fois, il est temps que les chefs de l'État partent en conquête pour avoir au moins 470 députés pour avoir une position confortable. Et il peut l'utiliser dans plusieurs façons. Il peut l'avoir avec l'UDPS, il peut avoir peut-être 200 ou 250 députés. Et avec les alliés, il peut avoir les 170 députés ou 100 ou 200 députés aussi. Pourquoi? Pourquoi ne pas avoir 400 ou 420 députés? Il n'y a pas de problème pour ça. Il n'y a pas un problème pour ça. L'organisation n'est pas la tricherie. Quand on s'organise, il n'y a pas de tricherie. J'ai initié une formation politique que nous avons transformée en parti politique. Il s'agit bien du parti Alliance pour les changements. C'est le seul endroit où on parle d'Alliance pour les changements. Tous les discours qui, en principe, étaient... Les gens sont venus pour écouter le parti politique. Mais malheureusement, ils sont venus pour écouter le désamour avec Tshisekedi. Les institutions provinciales sont devenues ingérables. Le dom-tom local est impossible d'atteindre. Les méthodes de Tshisekedi qui a converti le gouverneur de province en fille et garçon de course, obligé de ramener des espèces sonnantes et trébuchantes à Kinshasa. Alors là, il faut des preuves, malheureusement. Le peuple est en face d'un régime irresponsable, un régime des jouisseurs. L'appareil de l'État s'est détérioré et devenu de plus en plus un club d'amis pour les apprentis sorciers de tous bords exerçant leur stage au sommet de l'État. Le premier stagiaire, c'est qui? Quand on n'a jamais dirigé une seule entité au pays, même pas une boîte privée, même pas un petit magasin, même pas, quand on n'a même pas géré, su gérer 2 ou 3 personnes, et on se retrouve président, premier vice-président de l'Assemblée nationale, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Puisque gérer un parti, il faut comprendre, gérer un parti, ce n'est pas gérer l'État. Le parti est un fait privé, ce n'est pas gérer l'État. Encore que quand on regarde la gestion du parti, c'est compliqué puisqu'il y a des membres de l'UDPS qui disent que les latrines, les toilettes, l'argent de cotisation des cartes et tout ça, c'était vraiment une calamité. Alors si on ne sait même pas gérer le parti, si on n'arrive pas à implanter, M. Kaboul, président de l'UDPS, combien de sièges de l'UDPS dans le territoire, sur le territoire du pays? Combien on a assisté à l'implantation du parti? C'était quoi la vision de l'implantation? C'était quoi la vision de la conquête du pouvoir? C'était quoi? Combien de conférences l'UDPS a eu à organiser? Combien de matinées politiques d'instruction l'UDPS a eu à organiser sous M. Kabound? Rien. Et je vous épargne de toutes les déclarations que M. Kabound a eu à faire avant. Je vous épargne de tout ça.
Donc, quand on parle de stagiaires, il faut vraiment qu'on regarde bien. Le système Tshisekedi est incapable de mobiliser les recettes à la dimension de la RDC. Il est clair que Tshisekedi, aujourd'hui, doit être considéré comme un danger au sommet de l'État. Les caisses de l'État saignent jour et nuit et les promesses irréalisables de Tshisekedi sont devenues le bilan de l'UDPS. Les mensonges, la manipulation, le détournement, tous les échecs constatés sont la faute des autres. C'est juste du n'importe quoi. Mais c'était vous! Ah, Ngaye, Mboko. Mais qui a passé tout son temps à accuser le FCC de nous freiner, de nous bloquer? Mais c'est l'UDPS! Sous qui? Sous M. Kabound. Monsieur Kabound qui a traité Kabila de sorcier, qui a traité Kabila de démon, qui a traité. Mais c'est lui! C'est M. Kabound qui a montré aux Congolais qu'il n'avait pas une autre alternative en dehors d'avoir la majorité présidentielle à tout prix. Mais c'est encore lui. Alors comment on peut dire? Comment on peut dire ça? Je ne comprends pas. Comment on arrive à dire ça? Il dit, le système Tshisekedi est incapable de mobiliser les recettes. Et quoi, le 1,5 milliard du mois d'avril seulement? Vous le mettez sur le compte de qui? Et si nous parlons de 4 milliards de réserves, vous parlez de qui? 11 milliards de budget aujourd'hui, on parle de qui? On parle de quoi exactement? Je ne comprends pas. On parle de quoi exactement? Salaire 30% de plus, IPR à 3%. On parle de qui? Je ne comprends rien. Voilà, donc... Il y a d'autres choses, hein, je ne vois pas pourquoi on va le dire. On a fini avec tout ça. Dénonce l'absence d'une vision claire, on a parlé de ça. Il est l'héritier incontestable et tout. Voilà. Mesdames et messieurs, vous avez donc compris entre qui doit dire quoi, mais je peux vous assurer que le jour à venir, vous apprendrez encore beaucoup de choses. Beaucoup de choses dans quel sens? C'est que je sais déjà voir qu'il y aura plusieurs plaintes contre M. Kabound. Puisqu'à un moment donné, il était invincible. Personne ne pouvait l'attaquer. Personne ne pouvait l'attaquer. Maintenant, vous allez voir toutes ces victimes. Mais qui n'a pas vu M. Kabound au Tobo Labapnu et à Balabala? Premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ah, ok, dans la Toboli, à Toboli, mais à Toboli, combien il y a battu? Combien de personnes se plaignent dans le comportement? Vous pensez que ces gens-là n'ont pas le droit de se plaindre? Ils ont le droit de se plaindre. Ils peuvent aller se plaindre. Ils peuvent aller se plaindre. Bref, si on veut comprendre cette question, c'est encore une fois pour dire le gouverneur, disons, le président de la République doit comprendre maintenant, il est temps. Il est temps de frapper, mais de frapper très fort. Frapper qui? Bannir cette culture des insultes faciles. Sous Kabila, cette histoire ne pouvait même pas s'imaginer. Vous voyez-vous un monsieur comme Bouchab? Voyez-vous un monsieur comme M. Tshoki Tundu quitter le PPRD et faire une déclaration comme ça à Kinshasa? Je vous demande d'imaginer juste la suite. Tous les opposants de Kabila, pour obtenir des propos comme ça, se trouvaient à l'étranger. Parce qu'ils savaient ce qui allait arriver. Je peux vous le dire, on peut beau être ce que vous voulez dire, mais le pouvoir, on ne joue pas avec le pouvoir. Le pouvoir, on ne joue pas avec le pouvoir. Tous ceux qui jouent avec le pouvoir finissent par avoir eux-mêmes le problème, partout à travers le monde. On ne blague pas avec le pouvoir. Mais nous sommes en train d'assister à la désacralisation du pouvoir. On est en train d'assister à la démystification du pouvoir. Le mystère, le pouvoir n'a plus son côté mystique. Non. Je dis toujours aux gens, le pouvoir, il faut faire profil bas. Il faut aller doucement avec le pouvoir. Puisque vous ne savez pas comment, à quel niveau ça peut tourner. Ça peut tourner à tout moment. Allez-y doucement, 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 doucement. Pouvoir, bah, ça va être un peu plus. Et le pouvoir doit se donner la possibilité, il y a la force. Il y a des choses que je ne peux pas dire, mais on doit comprendre. Bah, ça va être un pouvoir. On ne peut pas désacraliser un pouvoir à ce point. N'importe qui ne peut pas se réveiller un matin, il commence à cracher sur le président. C'est quoi finalement? Vous pensez vraiment qu'ailleurs dans nos pays voisins, il n'y a pas d'opposants qui peuvent faire comme M. Kabound fait? Viens parler de ton parti, parle calmement de ton parti. On s'arrête là.
mais vous n'allez pas continuer. Non, ça ne va pas. J'estime qu'il y a des choses qui doivent changer, mais si on ne les change pas, ça va être très compliqué. Qu'il y a la peur qui quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Guinée aux hommes, ces hommes noirs, Daïmada, Chino, Tuenele, Nakinia, Panapiko. Loye Mbolo Nende Yali Sanga.